pour cette table ronde intitulée « Des faits pour faire émerger la vérité, historien et grand témoin ». Et de fait, il sera bien question de vérité, la manière dont elle est construite patiemment par les historiens, la manière aussi dont les témoins, quel que soit leur statut, leur position, la disent avec force, comme vous en rendrez compte. De façon assez logique, nous allons progresser en parlant initialement de la période qui est antérieure au génocide proprement dit, période qui annonce à tous égards les événements catastrophiques qui allaient suivre, puis le génocide proprement dit, et enfin différentes déclinaisons historiennes, juridiques, sur l'après, sur les questions de justice, sur les questions relatives aussi au silence ou à l'indifférence de la société française à l'égard du génocide commis contre les Tutsis. Pour aller vite, je présenterai au fur et à mesure les différents intervenants. Donc je vais tout de suite donner la parole à Jean-Pierre Chrétien, qui est directeur de recherche au CNRS, africaniste bien connu. Et je me souviens, je le lui disais tout à l'heure en aparté, l'avoir entendu en 1991 parler de façon extrêmement claire de ce qui allait suivre de son point de vue. Il n'utilisait sans doute pas encore le terme de génocide, mais il annonçait les catastrophes futures. Donc je donne la parole à Jean-Pierre Chrétien. Merci beaucoup d'être là, Jean-Pierre. Merci, chers amis. En juillet 2014, on avait été une quinzaine de spécialistes des génocides et des massacres de masse du XXe siècle, à publier une tribune dans Libération qu'on avait intitulée « Rwanda, cette histoire qu'on ne veut pas voir ». Et nous écrivions notamment avec ironie que même si, a priori, des politiciens français ne peuvent pas vouloir un génocide, on était bien obligé de s'interroger sur les motifs de l'aveuglement qui a amené de fait à appuyer matériellement et moralement les responsables d'une politique menant à un génocide. Alors cette question, c'est l'objet de cette réunion, elle est toujours là, et en fait elle a été réactivée de fait par les entreprises de justification auxquelles on a assisté pour le 20e anniversaire, au début d'avril 2014. Je vous rappelle que le 6 avril, l'Institut François Mitterrand a sorti un texte intitulé « Le rôle de la France au Rwanda en 1990-94, des accusations infondées ». Ça mériterait un décryptage détaillé, dans la mesure où ce rapport, rédigé, paraît-il, avec l'aval d'experts dont on ne connaît pas l'identité, est censé synthétiser le rapport de la mission parlementaire de 1998. Donc, en fait, c'est une façon de la réinterpréter. L'enquête de 1998, on en a parlé plusieurs fois, celle de la mission parlementaire. Bon, en tant que telle, elle avait représenté un effort incomplet, mais réel, d'identification et de compréhension des implications de notre pays dans cette tragédie. C'était en tout cas un premier pas. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a assisté très vite, ensuite, d'abord dans les années 2004-2006, à une véritable opération d'occultation de la réalité du génocide, en ramenant tout à l'attentat du 6 avril, attribué a priori au FPR, et accompagné d'une campagne médiatique absolument inouïe, dont les porteurs n'ont pas hésité à ressortir les clichés les plus racistes, les plus éculés de la vulgate coloniale. 20e anniversaire 2014, ça recommence d'une certaine façon. Les certitudes antérieures sur l'attentat s'étaient disloquées, les médias français, il faut le reconnaître, avaient réellement progressé dans leur travail, leur regard sur le génocide, mais on a assisté à une nouvelle donc, tentative pour enterrer les perspectives timidement ouvertes par le rapport de 1998. Alors, en effet, dans le document que je citais tout à l'heure, celui du 6 avril 2014, et aussi dans une déclaration de M. Quilès, le 1er avril précédent, et je signale que ces deux dates, comme celles d'autres documents, précèdent l'interview du président Kagame dans Jeune Afrique.
Donc, ça veut dire qu'il y a un argumentaire qui précède cette soi-disant émotion créée par l'interview en question. Eh bien, si on n'est pas amnésique, dans ce document du 6 avril, on retrouve un argumentaire qu'on connaît, que nous avions entendu ressasser sans arrêt entre 1991 et 1994. Celui des deux camps. Des deux camps politico-ethniques, dans une guerre opposant globalement les Hutus et les Tutsis. Je cite une phrase, « La méfiance, la haine et la peur ont amené un grand nombre de Rwandais à acquérir, donc je cite, la conviction intime que le meurtre des Tutsis était le seul moyen d'assurer définitivement leur sécurité. » Autrement dit, c'est une espèce de prolongement naturel. Combien de déclarations on a entendues dans les années 90 sur un aspect automatique, quasi naturel, de ces massacres que l'on qualifie d'interethniques. Les pogroms anti-Tutsis, qui sont des signes annonciateurs, qui se multiplient de 91 à 93, étaient décrits comme des réactions aux offensives du FPR. Si on voit bien la chronologie, ce sont plutôt chaque fois des manières de saboter des avancées dans le processus de négociation qui était en cours à l'époque. Je ne peux pas rappeler tous les événements. Alors, en fait, comment ne pas avoir vu à l'époque qu'il y avait une course contre la montre au Rwanda entre une logique de paix et de démocratisation qui était portée par une opposition intérieure et cette logique de guerre et de mobilisation de la dite majorité ethnique, c'est-à-dire des thèses du Hutu Power, appuyées ouvertement ou en sous-main par le pouvoir. Alors, voyez donc, il y a une situation politique et face à cela, il y a une réduction ethnique. La réduction ethnique du problème a été certes pain béni pour les extrémistes du Hutu Power, car elle leur permettait de disqualifier toute opposition chez les Rwandais Hutus, menacés d'être traités de complices, de traîtres, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que parallèlement à Paris, on éludait systématiquement toute analyse politique de cette situation, la course contre la montre que j'évoquais, comme si cela était superflu en Afrique. Les partenaires européens, parce qu'il n'y a pas que les Français dans cette affaire, se sont retrouvés piégés dans une complicité de fait, avec une propagande qui définissait le peuple, par définition, comme, entre guillemets, majoritaire de naissance, mais aussi comme autochtone et de race bantoue. Il y avait tout ce complexe idéologique, et les Tutsis comme des féodaux de naissance et des envahisseurs à mythos sémitiques. Donc c'était bien une propagande raciste, c'était pas une émotion ethnique. C'était une propagande raciste qui, dès 1991, suggérait sans embâge le recours à la machette contre l'ennemi intérieur. Alors comment a-t-on pu méconnaître la gravité des 10 commandements du Hutu, par exemple, diffusés par Kangoura en décembre 1990 ? Pas le temps ici de rappeler un texte que je crois beaucoup de gens ici connaissent, ce racisme n'était pas du tout exotique, il était très moderne. C'est un racisme qui disait « la nation est artificielle, l'ethnie est naturelle », ou bien « un cancrelat ne peut pas donner naissance à un papillon ». Donc c'était un racisme biologique tout à fait moderne. Alors, la mission parlementaire de 1998 en a fait le constat, à parler effectivement d'aspects racistes. Mais je me reporte à cette époque, parce qu'ici, nous sommes tous à parler de nos connaissances, de notre métier, mais aussi de notre expérience de cette affaire. C'est cet aveuglement, donc je parle d'aveuglement français, qui était désespérant, absolument désespérant à l'époque, quand on connaissait cette région d'Afrique. Moi, je peux en témoigner, j'avais écrit sur l'histoire du Rwanda depuis les années 70. Et d'autres articles avant portaient surtout sur le Burundi, mais sur le Rwanda dès les années 70. Donc, moi, je n'ai pas choisi de travailler sur un génocide, j'ai choisi de travailler sur cette région d'Afrique. Et donc, je ne pouvais que voir cette situation. En juin 1991, j'ai livré dans la Revue politique africaine une édition critique des 10 commandements. Donc, nul n'est censé ignorer la science, quand même, d'une certaine façon. Dans la revue Esprit, en mars 1993, sous le titre « Le Rwanda et la France, la démocratie ou les ethnies », je parlais d'un dévoiement tragique vers un génocide. J'ai retrouvé aussi, entre autres courriers d'alerte, celui que j'ai remis à M. Kofi Yamnian, qui était alors secrétaire d'État en campagne électorale dans ma commune d'Antony, le 16 mars 1992, à propos des pogroms qui venaient d'avoir lieu dans le Bouguessera. Je cite une phrase de ma lettre. « Une analyse politique doit absolument être faite.
On ne peut combattre le racisme dans notre pays et sembler cautionner un régime raciste dans un autre pays. L'importance de l'engagement de la France dans ce pays rend particulièrement pesant le silence qui règne aussi bien dans nos médias que dans les déclarations officielles. Bon, évidemment, je n'ai jamais eu de réponse. Hein. Puis il y a eu d'autres lettres analogues. Alors, je termine. Les justifications, je termine à l'actualité, ou presque, les justifications sorties en avril 2014, donc encore une fois, avant même l'interview du président Kagame, sont stupéfiantes. Stupéfiante, car cette fois, l'aveuglement, mettons si on emploie le mot aveuglement, hein, pour différentes raisons, l'aveuglement des années 90 se prolonge aujourd'hui dans un travestissement assumé d'une réalité qui est connue, jusqu'aux limites du déni. Alors, je vais donner un exemple, je dirais de ma peine, je dois dire que j'ai lu donc, j'ai découvert une note diffusée le 3 avril 2014, c'est encore avant l'interview de président Kagame, par la Fondation Jean Jaurès. La France, il est écrit, ne fut pas complice avant 1994 de la préparation d'un génocide qui n'était pas en préparation. Cela rappelle, enfin, donc, le déni, cela rappelle étrangement une déclaration d'un ancien officier de Turquoise au micro de RFI en décembre 2006, définissant le choix du génocide comme, je cite, « un ordre de conduite ». Je me suis informé sur ce que ça signifiait dans le langage militaire. C'est une décision tactique prise en quelques jours. Ce n'est pas du tout un projet de longue haleine. Ça a été décidé tout d'un coup. Un jour, on décide, il va y avoir un génocide. Bon. Attribué donc aux extrémistes Hutus, mais ils auraient donc décidé cela après l'attentat. Alors, vraiment, on l'a vu déjà ce matin, mais moi je dois le dire, parce que depuis des années que je m'intéresse à ce pays, il y a un malaise dans notre pays concernant le Rwanda, parce que pour défendre sa politique, il faut donc aller jusqu'à mettre en cause la nature du génocide. Alors, c'est cela qui est vraiment accablant, étonnant, ahurissant. Le fond du problème, donc, pour moi, n'est pas d'ordre militaire, je ne méprise pas du tout la chose militaire, mais pour moi, il est d'abord politique. Je dirais même qu'il est aussi culturel. Cet aveuglement repose sur la récurrence d'un véritable mépris à l'égard de l'Afrique. En Afrique, peut-il y avoir un génocide, aurait dit le président Mitterrand, mais peut-il y avoir de la politique, disons, il n'y a que des ethnies. Tout se passe comme si on continue à penser qu'il n'y a rien à y comprendre. Et comme je suis historien de l'Afrique, je termine par une petite allusion à l'actualité. On vient de supprimer dans le programme de 5e des collèges la question d'histoire africaine. Et avec mon ami Pierre Boilet, nous avons fait une tribune dans Libération à ce sujet. Mais si ce n'est pas un signe de mépris d'empêcher non seulement les élèves d'origine africaine de savoir qu'il y a eu des grandes heures dans leur histoire, mais tout simplement tous les élèves des collèges français d'avoir une histoire de la France qui respire, qui est en connexion, qui est ouverte sur le monde. Donc il y a un gros problème récurrent. Pour terminer d'une phrase, je dirais que le génocide des Tutsis du Rwanda par rapport à nous, c'est aussi quelque chose qui est post-Vichy, ça a été dit ce matin. Et je dirais peut-être plus que post-colonial, mais il y a aussi cet aspect du mépris à l'égard de l'Afrique qui est vraiment frappant. Il faut vraiment poser des questions à ce niveau-là, je pense. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je passe tout de suite la parole à Hélène Dumas. Hélène, merci. Bien, merci. Bonjour à tous. Alors, l'exigence d'un discours de vérité sur le génocide des Tutsis emprunte des voies multiples, comme en témoigne la grande diversité des personnes qui sont présentes aujourd'hui, et on ne peut que s'en féliciter. Mais quelle est la place spécifique de l'historien pour répondre à une telle exigence ? Quelles peuvent être les manières de se confronter à cet immense événement que fut le génocide des Tutsis au Rwanda ? Quels sont les questionnements qui nourrissent aujourd'hui le travail historique et quels sont, en fin de compte, les moyens de rendre intelligible un tel déploiement de violence et de cruauté ? Cet ensemble de questions anime aujourd'hui une nouvelle génération de chercheurs en sciences sociales qui ont choisi d'engager leurs efforts intellectuels dans leurs enquêtes respectives sur ce génocide. Et que cet effort de recherche soit mené avec une telle vigueur en France n'est sans doute pas indifférent. Ne me semble pas non plus indifférent notre rapport biographique au génocide de 1994.
Ici, je ne voudrais évidemment pas parler au nom de mes collègues, mais simplement rappeler quelques éléments qui permettront sans doute de mieux comprendre la manière dont nous travaillons sur l'histoire du génocide des Tutsis. En 1994, Henri Rousseau concluait son livre « Vichy, un passé qui ne passe pas » par cette phrase que je vous livre. « Il suffit, entre deux documentaires sur le débarquement et la libération, de s'interroger sur le sens de ces images lointaines venues du Rwanda ou de Bosnie et d'imaginer ce que nous diront les générations futures. Elles ne nous parleront pas de Munich ou de Vichy, mais de Kigali et Sarajevo. » Pour ma part, je fais partie de cette génération qui demande des comptes sur le Rwanda, ayant fait mes classes à une époque où les incantations du « plus jamais ça » saturaient le discours public sur le passé. Dans les années 1990, la mémoire de la Shoah et des complicités françaises dans sa mise en œuvre m'a accompagnée sur les bancs de l'école. Il n'est donc pas difficile d'imaginer le choc moral qu'a pu constituer le fait de découvrir que les mêmes logiques d'extermination avaient été à l'œuvre au Rwanda contre les Tutsis 50 ans après la Shoah, et que mon pays se voyait là encore gravement compromis en raison de son soutien au régime ayant orchestré le génocide. Et cette commotion morale fut accentuée ensuite par la découverte de ce passé vivant qu'est le génocide. En allant au Rwanda pour la première fois en avril 2004, à l'occasion des cérémonies de la 10e commémoration du génocide. Passé vivant dans les corps et la psyché des survivants, dans les lieux portant encore les stigmates des massacres. Passé vivant, donc, qui rendait le génocide tellement présent. Le sens commun a tendance à définir l'objectivité scientifique par l'effacement du chercheur, de son corps et de ses affects. Or, c'est précisément cette puissante émotion ressentie alors au Rwanda qui m'a conduite à engager mes efforts de recherche au plus près des corps, des affects, et de la parole des acteurs sociaux, au plus près du terrain. De ce rapport au Rwanda et à son histoire tragique est née la volonté de comprendre le génocide au ras du sol, son effectuation concrète par des tueurs trop souvent décrits sous les traits d'une foule anomique, obéissant mécaniquement aux ordres. De comprendre aussi les stratégies de défense ou de protection déployées par les victimes, prises dans l'étau d'un état criminel et du retournement féroce de leurs mondes sociaux et affectifs. J'ai alors découvert au Rwanda la multiplicité des sources qui étaient offertes aux historiens. Archives écrites, bien sûr, puisqu'il faut le redire ici, l'État rwandais fut un grand producteur d'archives administratives. Sources orales, mais aussi longues déambulations dans les collines, tâchant de reconstituer la géographie si singulière du génocide. L'opération historique se mêle ici aux outils de l'anthropologie pour comprendre les dimensions corporelles, temporelles et spatiales de l'expérience du génocide. Il s'agit de comprendre de l'intérieur, sans position de surplomb, en prenant la parole des Rwandais au sérieux. Patiemment, sur les collines et dans les quartiers, les récits rendaient compte de l'effroyable efficacité de cette entreprise d'extermination menée au nom d'un ethno-nationalisme hutu radical. Un tel travail ne saurait se réaliser depuis les bureaux parisiens. Il exige de longs séjours au Rwanda, une fréquentation assidue des témoins, mais aussi l'apprentissage du Kinyarwanda. C'est depuis le Rwanda, depuis ses collines et ses récits que s'établissent les faits, que se construit une interprétation historique. C'est ici évidemment l'occasion de rappeler ces quelques règles méthodologiques ordinaires et pourtant si souvent négligées par les experts autoproclamés du Rwanda. Car l'exigence de vérité n'est rien sans l'exigence intellectuelle qu'impose ce type d'objet. Et pour finir, je souhaiterais évoquer la question du retour en France de ces connaissances, retour et diffusion auprès d'un large public du travail mené par les chercheurs. Depuis quelques années, des actions de formation pédagogique auprès des enseignants du secondaire sont menées par le Mémorial de la Shoah, dont il faut saluer ici l'action. Alors même que l'histoire du génocide des Tutsis n'est pas inscrite dans les programmes officiels. Alors que le génocide des Arméniens et la Shoah figurent dans les enseignements du secondaire, celui des Tutsis en demeure absent.
Il me semble que l'exigence de vérité passe par la diffusion dans le corps social d'une histoire qui est la nôtre, et en France, sans doute, plus qu'ailleurs encore. Je vous remercie. Je passe la parole à Guillaume Ancel, qui est ancien officier français. Guillaume, merci. J'ai été capitaine pendant l'opération turquoise. Les capitaines sont les officiers en opération qui mènent les opérations, qui mènent la réalité sur le terrain. Ils ne sont pas dans les états-majors, ils ne sont pas dans des centres de contrôle ou dans des centres de décision. C'est eux qui doivent faire et faire les choses. Donc je sais ce que j'ai fait. Et j'en ai témoigné par écrit dans un roman qui s'appelle « Vent sombre sur le lac Kivu » et qui malheureusement aujourd'hui est la version la moins romancée de l'opération turquoise. Bien sûr que Turquoise a eu un volet humanitaire. Mais en parallèle de l'opération humanitaire, il y a eu une opération militaire très agressive qui a consisté à appuyer jusqu'au bout et au-delà du bout, un gouvernement qui était en train de commettre un génocide. Et là, je ne prends que mon témoignage personnel, c'est-à-dire pas les choses que j'ai lues, les choses que j'ai vues. J'ai d'abord reçu l'ordre de préparer un raid sur Kigali. Pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que quand on va s'emparer d'une capitale, c'est pas pour monter une opération humanitaire, c'est pour remettre au pouvoir un gouvernement qui le perd. Ensuite, on est le 30 juin, c'est important, quand le génocide n'est toujours pas terminé. On est là pratiquement depuis 8 jours au Rwanda. J'ai reçu l'ordre d'aller stopper les soldats du FPR, qui, je le rappelle, se battent contre les génocidaires. Et l'ordre n'a été annulé qu'au moment de l'action. Le 1er juillet matin, avant 6h du matin, directement par l'Elysée. Ça veut dire que jusqu'à cette date précise, l'opération turquoise sert à remettre au pouvoir un gouvernement qui commet un génocide. Et malheureusement, ça n'a pas cessé là. Car ce gouvernement défait, qui comprend le 1er juillet que l'armée française ne le remettra pas en selle, organise l'exode de sa propre population et un nouveau drame humanitaire. Nous l'avons laissé faire. Et d'ailleurs, nous avons laissé ce gouvernement transiter par la zone humanitaire sûre pour aller se réfugier au Zaïre. Mais je pense que bien pire, nous avons livré des armes à ces soldats qui ont servi une œuvre génocidaire dans des camps de réfugiés au Zaïre que nous avons transformés de fait en base militaire pendant une opération humanitaire. Et ça, c'est injustifiable. Je signale qu'à cette question que j'ai eu la chance de poser à Hubert Védrine avec quelques témoins lors de l'université d'été du PS, Hubert Védrine m'a répondu, et là aussi je pèse les mots, « Je ne suis pas au courant des détails. » Attention, l'opération turquoise n'a pas consisté qu'en ça. La compagnie de Légion étrangère dans laquelle j'étais détaché a protégé par exemple le camp de réfugiés de Nyarushishi, où il y avait plus de 8000 rescapés, essentiellement Tutsi, pendant tout le temps où nous avons été en opération. Je pense que sans cela, ils auraient vraisemblablement été massacrés. Personnellement, j'ai conduit un certain nombre d'opérations d'extraction, de rescapés, Tutsi et Hutu, pour les ramener au Zaïre ou au Burundi. On a peut-être réussi à faire sortir 150 personnes au milieu d'un million de morts, c'est complètement ridicule. Mais j'ai aimé cette partie de l'opération. Par contre, ce que je n'apprécie pas, que je ne peux pas accepter, c'est que 21 ans après les faits, 3 fois 7 ans, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé au Rwanda. On ne sait toujours pas quelles décisions ont été prises et par qui. Je prends qu'un exemple. J'ai longtemps pensé que si on avait pu s'égarer autant dans cette opération. C'était à cause de la confusion de l'époque. Donc on n'arrivait pas à déterminer, en juin, quand nous sommes intervenus, quelles étaient les responsabilités et ce qui se faisait, en fait, sous nos yeux. Mais j'ai découvert avec consternation une note de la DGSE qui date du début mai 94, du 4 mai 94, c'est difficile à oublier, qui est destinée aux plus hauts responsables de l'État français
et qui décrit en 4 pages d'une limpidité incroyable que ce qui se passe au Rwanda, c'est un massacre systématique de la population Tutsi, que ce massacre est organisé par le gouvernement que nous soutenons, et que par conséquent, nous allons être accusés de complicité si nous ne les quittons pas immédiatement et ne les condamnons pas sur la scène internationale. C'est le 4 mai 1994, un mois et demi avant le début de l'opération turquoise. Et pourtant, ces mêmes décideurs vont écarter cette information, vont décider l'opération turquoise, et vont bien sûr s'abstenir que nous soyons briefés sur le sujet. Car je pense que l'essentiel de mes camarades, qui sont très professionnels, n'auraient jamais accepté une telle opération. Ne serait-ce que pour que, d'un point de vue personnel, ils ne soient pas un jour mis en examen pour complicité de génocide. Donc cette opération, 21 ans après les faits, nous n'en connaissons pas la réalité. Mais nous sommes dans une démocratie. Et j'estime que c'est à nous d'exiger de savoir ce qui a été décidé, par qui et sur la base de quoi. Je n'imagine pas 2 secondes qu'un homme politique sensé ait souhaité s'impliquer dans un génocide. Mais les faits que je vous ai relatés trop brièvement sont une complicité de génocide. Et en particulier la livraison d'armes. Mais je pourrais citer aussi le fait que jusqu'au dernier moment, nous avons soutenu ce gouvernement génocidaire. Pour moi, il y a un triple enjeu dans ce que nous faisons là, dans ce colloque, et dans toutes les actions que vous menez pour savoir la vérité sur le génocide des Tutsis. Il y a un devoir de mémoire dont on a beaucoup parlé ce matin. Pour les rescapés, essentiellement, mais aussi pour ceux qui veulent savoir. Pour moi, il y a un deuxième sujet qui est très important, c'est un sujet d'intelligence collective. Si nous ne savons pas ce qui s'est passé, ça veut dire que nous acceptons que cela puisse se reproduire. Et après cette opération, je suis parti à Sarajevo avec une unité de Légion étrangère et j'ai assisté au massacre de Srebrenica. Et enfin, le troisième enjeu, pour moi, il est politique. Parce que tout ça a été commis au nom de la France. Et donc c'est notre responsabilité. Merci. Merci beaucoup. C'est notre responsabilité, comme vous dites très fortement. Je passe la parole à Jean Damasène Bizimana. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Et pour ces quelques minutes qui me sont consacrées, je vais essayer de me limiter sur certains faits. En effet, nous avons l'habitude d'entendre dire qu'il y a eu au Rwanda 800 000 morts selon l'ONU. C'est pratiquement une formule consacrée, mais l'ONU n'a jamais enquêté au Rwanda pour établir la matérialité des faits. Donc, il s'agit des mensonges. Et entre 2000 et 2002, le gouvernement rwandais a effectué une enquête de terrain en recensement des victimes pour essayer de voir quelle avait été l'ampleur de ce génocide. Et les résultats ont été publiés 2 fois, d'abord en 2002 et puis en 2004. Et les enquêtes ont révélé ceci. Un nombre connu de personnes correspondant à 1 074 017 personnes. 1 074 017 personnes nommément identifiées, avec âge, lieu de résidence, habitation, parfois les professions, etc. Donc, je voudrais commencer par évoquer cette ampleur du génocide pour faire sortir ces victimes de l'anonymat. Certes, à la Commission nationale de lutte contre le génocide, on s'aperçoit maintenant que ce chiffre est beaucoup plus élevé. On le voit à travers les archives Gachacha qu'on analyse. On le voit aussi à travers le nombre de personnes qui sont sur les mémoriaux. On est en train de mener une étude exhaustive qui sortira, je crois, d'ici une ou deux ans. Afin de voir précisément quel a été le nombre de victimes emportées par ce crime. Mais du moins maintenant, on peut se limiter à ce chiffre déjà connu. Cette étude, en même temps, révèle que les victimes ont été tuées de la manière la plus atroce possible. Je vais vous donner quelques chiffres qu'on y trouve. 93% ont été tués parce qu'ils étaient identifiés comme Tutsis. Vous savez qu'il y avait des cartes d'identité, donc on pouvait connaître la personne qui a été tuée parce qu'elle était reconnue comme Tutsi. Donc 93,6%. 0,85% parce qu'il ressemblait au Tutsi.
0,37% parce qu'ils avaient des relations d'amitié avec les Tutsis. 0,32% parce qu'ils étaient mariés aux Tutsis, c'est-à-dire des Hutus mariés aux Tutsis. 0,17% parce qu'ils avaient caché des Tutsis. 0,64% parce qu'ils avaient manifesté des opinions opposées au régime génocidaire. Et parmi ces victimes, les jeunes sont beaucoup plus nombreux, parce que les jeunes de 1 à 24 ans représentent 53,8%. Donc c'est l'avenir du Rwanda qui était finalement décimé, 53,8%. Alors, voilà pour l'identité des victimes. Et maintenant pour les méthodes de tuer, les méthodes utilisées pour tuer. 38,88% ont été tués à la machette. 16,78% à la massue. 14,80% à l'arme à feu. 8,85% battus à mort. 4,22% ils ont jeté dans les lacs ou dans les rivières. 2,26% brûlés vives. 0,80% mortes affamées. 0,30% éventrées. 0,25% contraintes au suicide. 0,19% ce sont des bébés qui ont été écrasés sur les murs. Si vous visitez un jour au mémorial de Narama, nous sommes en train d'aménager. Il y a un lieu très précis où on cassait le crâne des bébés. 0,17% victimes pendues. Voilà pour les méthodes de tuer qu'on a identifiées, les principales. Alors, les lieux où les victimes ont été tuées, 59,3% ils ont été tués sur les collines. 11,6% dans les églises. 9,3% dans des maisons d'habitation. 3,9% dans des bureaux administratifs, 1,9% dans des écoles, 1,5% sur les barrières et 0,70% dans les hôpitaux. Donc vous comprenez, normalement, les lieux où les gens devaient avoir l'éducation, la médecine, les services publics sont devenus des lieux d'abattoir. Bon, voilà, je me limite à ces quelques chiffres. J'ai voulu donner un certain nombre de faits. Du moins pour vous donner des éléments que peut-être certains d'entre vous ne disposez pas. Alors, un deuxième élément de mon intervention, c'est maintenant sur le négationnisme. Vous venez de comprendre en quelques mots, du moins, quelle est l'ampleur de ces atrocités. Eh bien, l'année dernière, en 2014, au mois de mars, le 16 avril 2014 précisément, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France est membre permanent, a voté une résolution obligeant tous les États à mettre en place des lois sanctionnant le négationnisme. Alors, je vais vous citer quelques extraits de cette résolution pour vous montrer qu'il y a une obligation internationale, France y compris, de mettre en place une loi sanctionnant le négationnisme de tout génocide reconnu par les Nations Unies et donc, en l'occurrence, du génocide de Tutsi. La résolution dit ceci. Il existe des preuves accablantes que des actes de génocide ont été commis à l'encontre du groupe Tutsi. Autre citation. Le tribunal pénal international pour Rwanda a établi le 16 juin 2006 que ce génocide constituait un fait de notoriété publique qu'entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, un génocide a été commis au Rwanda contre le groupe ethnique Tutsi. La résolution continue, prenant note en s'en inquiétant de toute forme de négation de ce génocide. Maintenant, il commence. Condamne sans réserve toute négation de ce génocide. Ça, c'est le Conseil de sécurité. Condamne sans réserve toute négation de ce génocide et invite instamment les États membres à se donner des programmes éducatifs pour graver dans l'esprit des générations futures les leçons du génocide, le but étant d'en prévenir d'autres dans l'avenir. Je saute quelques lignes. Demande également aux États d'enquêter sur les faits, d'arrêter, de poursuivre ou d'extrader en exécution de leurs obligations internationales en matière, tout fugitif accusé de génocide qui réside sur leur territoire, y compris les dirigeants des FDRR. Donc il y a une obligation claire de la France de juger, arrêter, extrader et mettre en place des lois sanctionnant le négationnisme. Bon, pour conclure, à l'état actuel des choses, le Rwanda a émis, entre 2006 et 2015, j'ai pris une période de 8 ans, entre 2006 et 2015, le Rwanda a envoyé 279 mandats d'arrêt à travers le monde de génocidaires. 279 mandats d'arrêt. Sur les 279 mandats d'arrêt qui ont été envoyés, seuls 11
11 transferts ont eu lieu. Seulement 11. Et parmi ces 11 transferts, il y a les États-Unis qui ont transféré 4 personnes, le Canada une personne, la Norvège une personne, le Danemark une personne, le tribunal pénal international pour Rwanda 2 et l'Ouganda 2. S'agissant maintenant des commissions rogatoires, il y en a eu beaucoup. Les commissions rogatoires, le premier pays à avoir effectué plusieurs commissions rogatoires au Rwanda, ce sont les Pays-Bas, 23 commissions rogatoires. La France, 20 commissions rogatoires, avec un seul jugement, donc celui de Simbi Kangwa, 20 commissions rogatoires. Le Canada, 17 commissions rogatoires qui ont été conclues par un jugement. La Norvège, 15 commissions rogatoires avec 2 jugements. Les États-Unis, 11 commissions rogatoires avec 4 transferts, je vous l'ai dit. Le Danemark, 8 commissions rogatoires et 1 jugement. La Grande-Bretagne et la Suède. La Grande-Bretagne a fait 7 commissions rogatoires, aucun jugement. La Suède, 7 commissions rogatoires et 1 jugement avec un condamné. La Belgique, 6 commissions rogatoires avec 8 jugements. La Finlande, 6 commissions rogatoires et 1 jugement. L'Allemagne, 5 commissions rogatoires conclues par 3 jugements. Donc vous comprenez que la France est sur et en deuxième position de pays ayant effectué le plus grand, un grand nombre de commissions rogatoires au Rwanda, mais qui n'ont été pratiquement été conclues par rien. Et vous avez saisi que, par exemple, l'Allemagne a effectué 5 commissions rogatoires au Rwanda et elle en a retiré des éléments qui ont permis de juger et de condamner 3 personnes hautement placées dans le génocide de Rwanda Tutsi. Merci beaucoup. Je voudrais d'ores et déjà passer la parole à Yves Ternon, qui est historien des génocides dans une perspective comparée. Il a publié beaucoup d'ouvrages là-dessus. Merci beaucoup. C'est à ce titre, effectivement, d'historien des génocides du XXe siècle, ayant centré mes études sur une approche comparée aux deux extrémités au cœur du siècle, du génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, de la Shoah et du génocide des Tutsis au Rwanda, que je m'exprime ici avec, je m'excuse, un peu plus de généralité que de précision, comme les précédents intervenants ont pu donner. Ce que je voudrais expliquer, c'est qu'il y a une continuité dans les différentes étapes du génocide, qu'un génocide ne se termine jamais. Nous avons évoqué cette année, travaillé sur le centenaire du génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, et nous considérons que nous n'avons pas effectué plus de la moitié du travail de recherche. Donc la vérité maintenant, pour moi, c'est un rêve. En ce qui concerne le génocide des Tutsis, il y aura des générations et des générations avant que cette vérité éclate. Mais il y a une continuité entre le point de départ du processus génocidaire et la négation de l'après-génocide. Cette continuité, elle est dans l'idéologie. L'idéologie qui identifie le groupe victime et qui prépare déjà la négation alors que le crime n'est pas commis par le thème de la conspiration, le thème du complot, qui fait que progressivement, à l'intérieur d'une société, le groupe majoritaire va être habité au lieu du mépris déjà par la haine et, lorsque survient la guerre, par la peur. Un des éléments importants que nous avons identifié dans nos travaux, enfin dans les travaux des Genocide Studies depuis une trentaine d'années, c'est l'importance considérable, l'importance totale de la guerre dans le passage à l'acte, à la décision et à l'acte génocidaire. Car la guerre engendre la peur. Elle engendre la peur, elle expose de façon de plus en plus vive la notion d'un ennemi intérieur, et plus la guerre devient totale, plus cet ennemi intérieur devient celui qu'il faut tuer pour ne pas être tué. C'est la même logique dans les 3 génocides avérés dont j'ai pu parler. Donc, dans le processus génocidaire, on voit monter un danger qui va exploser avec le génocide. Alors, autant il y a de similitudes plus que de différences dans les différents génocides du XXe siècle, dans ces processus génocidaires, autant dans la perpétration même du génocide, on est dans une logique, je dirais, de faisabilité. L'idéologie est déjà là pour déterminer
qui va être tué, s'il faut tuer tout le monde ou tuer une partie du groupe. Mais de toute manière, l'important, c'est de savoir comment on va tuer le groupe. Et comme on n'a pas préparé véritablement l'action, tout est inventé sur place. La seule chose que l'on sait, c'est la nécessité de détruire le groupe. Et après le génocide, et là, il y a cette période qui hante un peu nos recherches, c'est le problème de la négation. La négation est au cœur du génocide. Il n'est pas pensable qu'il n'y ait pas de négation d'un génocide de la part de ceux qui l'ont perpétré, ou de ceux qui assument l'idéologie de ceux qui l'ont perpétré, et aussi de la part de ceux qui craignent une complexité. Car cette négation dispose de très peu de moyens dialectiques pour s'exprimer. La première, qui nous concerne, nous, surtout historiens, c'est ce que j'appellerais l'hypercriticisme ou la rationalisation de l'histoire, qui fait qu'on recherche toujours une vérité plus nette. On accuse celui qui déclare tel événement de n'avoir pas été cherché assez loin pour prouver cet événement. Ça, c'est le dialogue, les discussions entre les historiens qui travaillent sur le génocide et les historiens de la négation, qui ne sont pas des historiens, bien entendu, mais qui se prétendent comme tels. Le deuxième élément, et ça, je suis heureux d'avoir entendu cette communication, c'est la querelle des chiffres. Car en général, le génocide n'est pas accompagné d'une vérité exacte, d'un calcul exact du nombre des victimes. C'est en tout cas pas le cas pour le génocide des Arméniens. Pour la Shoah, il y a des cas précis, et je ne savais pas qu'il y avait un décompte aussi précis pour le génocide des Tutsis. Mais l'élément le plus important, le plus néfaste du négationnisme, c'est le retournement de l'accusation. Parce qu'en fin de compte, on le retrouve dans ces trois génocides. Retournement de l'accusation, ce ne sont pas les Arméniens qui ont été tués par les Turcs, ce sont les Turcs qui ont tué les Arméniens. Ce sont les Arméniens qui ont tué les Turcs. Donc retournement de l'accusation, ce n'est pas nous les responsables du génocide, c'est les autres, on n'en a pas parlé. Et dans un cas aussi exemplaire que la Shoah, évidemment, il n'est pas possible de nier cet amas de documents, plusieurs kilomètres de documents, alors on nie tout en bloc. Et évidemment, à partir du moment où on est dans l'absurdité, la diffusion sur Internet permet cette négation. Et dans le cadre du génocide des Tutsis, on se retrouve évidemment dans cette notion de retournement de l'accusation. Et ce sera le travail des historiens de bien comprendre que il n'y a eu qu'un génocide au Rwanda, le génocide des Tutsis de 1994. Et que s'il y a eu des violences au cours de la guerre, des violences liées à l'avancée du FPR, ces violences, elles doivent d'ailleurs être écrites, elles doivent d'ailleurs être tracées par l'histoire, elles n'ont rien à voir, bien entendu, avec la perpétration d'un génocide. De telle sorte que le travail de l'historien va se poursuivre. C'est nous qui faisons ce travail, c'est nous qui allons exclure de l'université, par la qualité de notre travail, la précision de nos sources, l'exclusion de toute documentation imprécise, qui allons faire cette histoire du génocide des Arméniens, de la Shoah et du génocide des Tutsis. Et il nous faut absolument obtenir que le négationnisme soit totalement exclu de l'université. Nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin, évidemment, puisqu'il y a Internet et que l'on peut dire n'importe quoi, puisqu'il y a des gens qui veulent se défausser, évidemment, de cette responsabilité. En tout cas, en ce qui concerne la négation du génocide des Tutsis, il faut récuser avec la plus grande violence, si je puis dire, verbale, la thèse du double génocide, et également essayer de faire la lumière très précise sur tous les événements, et en particulier exclure cette thèse des paysans en colère qui auraient voulu venger leur président. Donc, il n'y aura pas de vérité maintenant, mais il y aura une vérité plus tard. C'est à nos générations, aux générations futures, de travailler là-dessus, et c'est un travail de mémoire et un travail de technique historienne que nous entreprendrons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole à Alain Gauthier, qui est président du collectif des partis civils pour le Rwanda.
Oui, merci beaucoup. Si vous permettez d'abord, avant de commencer, je voudrais évoquer simplement la mémoire de José Cagabo, qui quand même nous a quittés tout récemment. Voilà, je voulais simplement mentionner son nom. Donc nous avons créé le collectif des partis civils pour le Rwanda en France en novembre 2001, suite au premier grand procès de Bruxelles, qu'on a appelé le procès des quatre de Boutaré, tout simplement parce que nous avons d'abord été interpellés par des victimes du génocide, et puis parce que nous avions bien le sentiment que la justice française s'était complètement endormie depuis les premières plaintes qui avaient été déposées. En choisissant, j'ai choisi de nommer mon intervention pour l'adapter un petit peu au thème du colloque, la justice maintenant. Mais en même temps, j'ai bien le sentiment, en demandant cela, la justice maintenant, d'être habité un petit peu par un sentiment d'indécence, parce que 21 ans après, il est déjà très très tard pour demander la justice. Donc je retire le titre que je m'étais donné. La justice, bien sûr, mais il est déjà trop tard, pour les raisons que j'expliquerai. En effet, comment peut-on demander que justice soit rendue maintenant, alors que le génocide des Tutsis a été perpétré depuis plus de 21 ans, et que, eh bien, nous ne cessons de le dire et de le redire, le temps joue en faveur des bourreaux. Donc la justice a déjà beaucoup trop tardé. D'autant qu'il est, et ça c'est l'expérience que nous avons, il est de plus en plus difficile actuellement, lorsque nous souhaitons nous lancer dans l'étude d'une plainte contre un présumé génocidaire qui est en France, il devient presque impossible maintenant de trouver au Rwanda des témoins, que ce soit des tueurs, que ce soit des rescapés. Les rescapés, souvent, sont fatigués de témoigner, et les tueurs ont le sentiment d'avoir tout dit, et puis il faut tourner la page. Nous entendons dire depuis des années, par nos responsables politiques, et je l'ai encore entendu aujourd'hui, et je vous avoue que je venais ce matin un petit peu le cœur léger de voir s'engager dans ce combat pour la vérité beaucoup de jeunes, en particulier dans les partis traditionnels. Et puis, j'ai presque été habité dans la matinée par un sentiment de colère, parce que à entendre un certain nombre de ces responsables politiques, aujourd'hui, 21 ans après, réclamer la vérité, eux aussi, à leur tour, alors que certains d'entre eux, nous les avons interpellés depuis très longtemps et qu'ils sont pratiquement restés sourds à nos appels, c'est un petit peu la colère qui m'habitait ce matin, en fin de matinée. Donc, depuis des années, nous entendons dire par nos responsables politiques que la France ne sera pas un havre de paix, et c'est une occasion, une expression qui est souvent employée, ne sera pas un havre de paix pour les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis et qui résident sur le territoire français. Or, tout semble nous prouver le contraire. Il y a par exemple la présence importante de ceux qu'on appelle les présumés génocidaires sur le sol français, dont certains ont acquis très facilement la nationalité française. La première plainte qui a été déposée en 1995 contre l'abbé Wenceslas Munyeshaka vient de se solder par un non-lieu de la part des juges d'instruction. À croire que la parole du bourreau prévaut sur celle des victimes. Nous avons fait appel de cette décision avec d'autres associations qui sont parties civiles dans ce dossier. C'est le dernier recours que nous avons. J'ai émis le vœu qu'éventuellement, si nous perdions en appel, que le mécanisme de suivi qui va prendre la succession du TPIR, qui va fermer ses portes à la fin de l'année, eh bien, puisque le dossier Munyeshaka est un dossier que la France a hérité aussi du TPIR, eh bien, que le mécanisme de suivi le reprenne pour que Munyeshaka soit jugé, ainsi d'ailleurs que le préfet de Gikongoro, Laurent Boutibaruta. Et puis, on a l'entêtement de nombreuses cours d'appel en France, et surtout de la Cour de cassation, on l'a évoqué, de refuser toute extradition
vers le Rwanda de personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide, dont certaines sont poursuivies en France ici, au prétexte fallacieux que la loi organique punissant le génocide au Rwanda serait postérieure au génocide lui-même. Je n'ai jamais fait une heure de droit dans ma vie, mais je sais que cet argument-là ne tient pas la route. Juridiquement, il est absurde. Comment d'ailleurs, et c'est ce qu'on ne cesse de répéter aussi chaque fois, comment la France, si elle s'était donné les mêmes règles, aurait-elle pu juger Papon, Touvier, Klaus Barbie, serait été impossible. Pourquoi donc imposer au Rwanda une règle différente ? À souligner que la France est pratiquement le seul pays qui refuse systématiquement les extraditions. Je tiens à dire aussi que, personnellement, je pense que nos responsables politiques ne sont pas crédibles quand ils évoquent le génocide des Tutsis. Je fais allusion à ce que j'ai dit juste un peu avant. Certains d'entre eux le nient en évoquant, on l'a dit, la thèse du double génocide, en parlant des génocides, des massacres interethniques. On se rend compte qu'il y a des responsables de 1994 qui continuent à avoir une influence considérable sur la politique française aujourd'hui, en lien avec le Rwanda. Je pense que les oreilles du Bervédrine ont dû siffler, puisqu'il a été nommé à plusieurs reprises. Et il semblerait bien que M. Védrine ait une influence très très importante dans plusieurs ministères et que rien ne se fait sans son aval. Le CPCR a écrit des courriers, mais très nombreux, aux différents ministres, présidents de la République, ministres de la Justice, de l'Intérieur, etc. Et la réponse qu'on nous donne, c'est toujours la même. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite donnée à cette affaire, et de suite, il n'y en a jamais. Je me permets d'ailleurs à ce propos de vous lire très rapidement, parce qu'elle est courte, la réponse que j'ai reçue du 15 octobre 2015, de l'Élysée. J'avais interpellé le président de la République sur un point sur lequel je reviendrai très rapidement en fin de mon intervention, sur le financement des procès contre les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide en France. Et c'était la question principale de mon intervention. Je reçois le courrier suivant. Le président de la République, c'est pas lui bien sûr, c'est son cabinet, a bien reçu le courrier par lequel vous faites part des difficultés rencontrées par votre association pour mener à bien les poursuites en justice visant des responsables du génocide des Tutsis au Rwanda. C'était l'objet de la lettre. Ensuite, sensible à votre démarche, M. François Hollande m'a confié le soin de vous assurer de l'intérêt avec lequel il en a pris connaissance. C'est la moindre des choses. Le chef de l'État tient à saluer votre action en faveur de la vérité. On est dans le sujet. Et se réjouit du travail accompli, non pas par nos associations, par le pôle génocide et crimes contre l'humanité, concernant les cas de présumés génocidaires en France. Le président de la République est, comme vous le savez, très attaché à l'établissement de la vérité. C'est la raison pour laquelle il a souhaité que soient déclassifiées les archives de l'Élysée sur le Rwanda. Je viens de rédiger une réponse, une nouvelle lettre, en disant « Je vous remercie d'avoir pris note de mon courrier, mais je suis désolé, vous ne répondez pas du tout à la question que je vous ai posée. Dans tous les milieux sont dénoncées alors les lenteurs de la justice, en France, mais comme ailleurs aussi. Que dire de cette lenteur dans le cadre du génocide des Tutsis ? Les premières plaintes, on l'a dit, datent de 1995. Mounier Chaka, Mounier Manal, le docteur Soustaine Mounier Manal, le médecin de Villeneuve-sur-Lot, cherchez l'erreur. De 2000 pour Laurent Boutibaruta, l'ancien préfet de Guikongoro. Laurent Seloubouga, ex-chef d'état-major des phares. Cyprien Kayumba, responsable de l'achat des armes à l'ambassade du Rwanda à Paris en 1994. Agathe Kanziga, docteur Guamutio, enfin, et tant d'autres. Sans parler donc des 24 plaintes que le collectif des parties civiles a déposé depuis sa création en 2001. La dernière plainte date de juin dernier. Cette lenteur, elle encourage les présumés génocidaires, à leur tour, à porter plainte. En effet, le collectif des parties civiles et moi-même avons été traînés en justice
à deux reprises. D'une part, par Octavien Guenzi, qui attend son procès d'assises à partir du 10 mai prochain dans une prison parisienne. Il nous a poursuivis en justice pour violation de la présomption d'innocence, parce que j'avais utilisé, en ancien professeur de français, malheureusement, un plus que parfait au lieu d'un conditionnel. J'avais dit qu'il avait participé au génocide, au lieu de dire qu'il aurait participé. Ça nous a valu un procès à Toulouse. Il a perdu en première instance. Il a fait appel, il a perdu en appel, condamné à verser des indemnités. Évidemment, il est indigent, il ne payera jamais. Concernant maintenant le pôle crime contre l'humanité, puisque le président de la République l'évoque, c'est sûr que depuis 2012, ce pôle existe et a favorisé une certaine avancée des affaires. Malheureusement, il n'y a que trois juges d'instruction qui ont été nommés à temps plein, plus une dizaine de gendarmes. Un quatrième juge vient d'être nommé, mais en remplacement d'un qui s'en va, M. Depaz. Et on commence à voir les limites de ce pôle. Alors, j'ai dit manque de juges, manque de gendarmes, et puis manque de moyens financiers éventuellement. Et tout cela concourt au fait que la justice n'est pas rendue, ou si peu, puisqu'un seul procès a eu lieu l'année dernière en condamnant pour la première fois en France pour génocide Pascal Simikangwa à 25 ans de prison. Mais malheureusement, il a fait appel, il faudra recommencer le procès. Donc je vois qu'effectivement, j'ai déjà été long. Simplement dire qu'il ne vous a pas échappé que 99% des poursuites qui sont organisées en France font suite à des plaintes déposées par des personnes physiques ou des associations comme la nôtre, alors que le parquet devrait se saisir de ces affaires dès qu'il a connaissance de la présence d'une personne soupçonnée d'avoir participé au génocide. Il en est de même pour le financement des procès. Je pose une question, est-ce qu'il est normal que le financement de ces procès, déjà que toute la préparation des plaintes incombe aux parties civiles, donc que le financement repose sur les épaules des parties civiles? Nous avons pu financer le procès Simbikangwa l'an dernier. Pour l'instant, nous ne pouvons pas financer le prochain procès qui sera tenu contre Nguenzi et Barreira à partir du mois de mai. Depuis plusieurs mois, chaque fois que l'occasion m'en est donnée, je demande que ce soit la communauté internationale qui participe financièrement à la poursuite des présumés génocidaires dans les instances nationales comme en France. Le TPIR devra cesser ses activités à la fin de l'année. Pourquoi la communauté internationale ne déciderait-elle pas de prendre en charge les procès des présumés génocidaires dans la mesure où on demande aux pays où ils se sont réfugiés de les juger? Je martèle cette demande et je continuerai à le faire tant que nous n'aurons pas de réponse. Voilà, tout simplement. Donc je lance un appel quand même pour terminer. Le collectif des parties civiles pour le Rwanda n'a plus les moyens financièrement de faire face au procès. Je souhaiterais que tous ceux qui sont ici relaient systématiquement les appels que nous lançons régulièrement. Vous avez des réseaux, vous avez des connaissances. Nous allons probablement être obligés de lancer ce que font beaucoup de gens, un crowdfunding, pour récolter l'argent nécessaire pour financer le prochain projet. J'aimerais bien que tous ceux qui m'entendent aujourd'hui puissent relayer cet appel. Vous savez, il suffirait, ce sont des appels pour lesquels on obtient des remises fiscales. C'est bien clair, 10 000 personnes donneraient 100 euros, qui coûtent 34 euros quand on a la remise fiscale, eh bien, vous voyez qu'on arriverait à couvrir les frais. Donc, je lance officiellement pour terminer aujourd'hui, même si ce n'est peut-être pas trop le lieu, hein, mais un appel, nous avons besoin de la volonté de tous. Si on veut que la justice arrive maintenant, vraiment, on a besoin de tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet appel éloquent. Je donne tout de suite la parole à Stéphane Audouin-Rousseau. Stéphane, merci beaucoup. J'espère que mon intervention, qui est la dernière, entrera en résonance avec les interventions précédentes. Alors, cette notion de vérité qu'il faut faire émerger, je reprends l'appel, en quelque sorte, de l'appel de ce colloque qui nous réunit. C'est peut-être pas exactement comme cela qu'un historien ou qu'un spécialiste de sciences sociales pose le problème, même s'il est bien évident que l'opération historique vise à produire un discours de vérité.
Elle cherche aussi, et peut-être même surtout, à produire de l'intelligibilité, de créer des effets d'intelligibilité parallèlement à des effets de connaissance. Et ceci est évidemment extrêmement une tâche très difficile, extrêmement difficile dans le cas du génocide des Tutsis rwandais. Ce qui m'intéresse donc ici, dans le très peu de temps qui est à ma disposition, c'est d'essayer de dire très rapidement, de faire l'inventaire d'un certain nombre d'obstacles qui se dressent devant nous, qui se dressent face à cet effort d'intelligibilité de l'événement que nous devons accomplir. Alors évidemment, la dimension archivistique du problème a déjà été évoquée, elle est importante, elle ne peut pas être balayée d'un revers de main. À titre de comparaison, il n'est que de voir les immenses progrès cognitifs et interprétatifs qui ont été provoqués par l'ouverture des archives nazies prises par les soviétiques, archives qui sont tombées dans le domaine public après la chute de l'URSS. Et dès lors, il est bien évident que la question du génocide des Tutsis rwandais est loin actuellement de disposer du socle archivistique qui lui serait nécessaire. C'est évidemment vrai en France, on ne va pas revenir ici sur l'opération de communication qui a été l'opération d'avril 2014, donc d'avril 2015, pardon, d'ouverture au public d'un nombre d'archives de la Fondation François Mitterrand. C'est vrai aussi au Rwanda, même si des grands gisements archivistiques sont désormais disponibles. Je pense en particulier aux archives des tribunaux Gacaca, mais aussi des archives de la commémoration qu'un jeune chercheur comme Rémi Cormand, par exemple, étudie actuellement sous ma direction. Notons au passage l'obstacle linguistique qui limite et limitera durablement l'accès à la documentation dans cette langue. Pour autant, il me semble peu raisonnable d'avoir excessivement le culte de l'archive dans un sujet comme celui-là, et ce mythe de l'ouverture des archives que nous véhiculons nous-mêmes parfois à notre insu. L'archive écrite ne dit pas tout, les historiens le savent bien, et j'emprunte à l'historien Henri René Marou cette formule profonde en 1954, qui dit: nous connaissons du passé ce que nous croyons vrai de ce que nous avons compris de ce que les documents ont conservé. C'est une mise en garde extrêmement intéressante, et ceci me paraît particulièrement vrai du volet militaire de la question, qu'il s'agisse de la guerre du FPR ou qu'il s'agisse du rôle militaire de la France sur place avant, pendant ou après les génocides que Guillaume Ancel nous a remis en mémoire tout à l'heure. En revanche, je crois qu'il faut plaider, exactement, je plaide ici dans le même sens qu'Hélène Dumas, pour le rôle de l'analyse de terrain, pour le recours à l'oralité, pour le recours du témoignage. Il suffit de voir l'importance qu'a celui de Guillaume Ancel au cours de cet après-midi, il y a très peu de temps. Et je crois que précisément ce témoignage sur la nuit du 30 juin a peut-être beaucoup plus de valeur que des archives qui seraient peut-être inexistantes sur cette même nuit. Et parce que ce moment de basculement, c'est ce moment de ce que j'appelle personnellement le basculement de turquoise 1 vers turquoise 2, du turquoise 1 de co-belligérance au turquoise 2 humanitaire. Alors il me semble qu'il existe toutefois d'autres obstacles beaucoup plus sociétaux, beaucoup plus culturels à l'opération historique sur le génocide des Tutsis rwandais, et je crois qu'ils sont très handicapants actuellement et qu'ils vont rester handicapants à moyen et long terme, et il faut, je pense, en avoir conscience. Les historiens, comme tous les spécialistes de sciences sociales, ne sont pas coupés de la société dans laquelle ils travaillent. L'opération historique est elle-même très dépendante de la réception qu'elle suscite ou qu'elle ne suscite pas, et donc il est nécessaire ici d'y réfléchir un instant. Précisément en France, on l'a dit, la réception du travail historien ne se heurte pas seulement à une forme rampante de négationnisme, l'expression, je le rappelle, est d'Henri Rousseau, notamment sous la forme particulièrement perverse intellectuellement de la thèse du double génocide. Il me semble que la réception du travail historien se heurte aussi à un déficit cognitif massif dans la société française, y compris dans ses cercles les plus cultivés, où il arrive que l'on confonde, et cela est toujours stupéfiant pour moi, les victimes et les bourreaux. On ne sait même pas, on rencontre des gens cultivés, raisonnablement informés, qui ne savent pas ni l'année, ni qui a tué qui. Inversement, il se peut, et ce n'est qu'un paradoxe apparent, que le travail historien sur le génocide des Tutsis rwandais se heurte à un corpus de connaissances sur les autres génocides du XXe siècle,
autres génocides, hein, dont Yves Ternon a rappelé ici la généalogie, un corpus de connaissances qui pousse trop aisément à rabattre au même, comme disait Hannah Arendt. Et ceci faisant obstacle à une prise en compte du génocide de 1994 pour lui-même, dans ses spécificités profondes. De ce point de vue, je trouve très intéressante cette phrase de Raoul Hilberg à la fin de la dernière édition, celle de 2006, à son extermination des Juifs d'Europe, à sa destruction des Juifs d'Europe. Hilberg écrit ceci : « La destruction des Juifs a pris fin en 1945, mais si la perpétration s'est arrêtée, le phénomène est demeuré. Le génocide, sous sa forme la plus pure, commença au Rwanda, pays enclavé au cœur de l'Afrique, le 7 avril 1994. L'histoire s'est répétée. » Alors cette phrase, on peut la voir de deux manières. Elle est à la fois une très belle prise en compte hein, par le grand historien de la Shoah, et donc très peu de temps avant sa mort, une belle prise en compte de l'événement 94 d'un côté, mais en même temps, cette idée de répétition ne nous rend peut-être pas tellement service hein, sur le plan méthodologique et épistémologique. Enfin, au titre des obstacles insidieux, mais je crois très puissants, à une bonne réception d'un travail historien, un travail de sciences sociales en général sur ce génocide, eh bien, je serais tenté de désigner ce que j'appelle pour moi-même, et je mets l'expression en débat, le syndrome de la victime parfaite. Les victimes, donc, et ceci rejoindra ce qu'a dit Yves Ternon il y a un instant, les victimes semblent n'être jamais suffisamment exemplaires, jamais suffisamment pures pour être totalement défendables et dès lors leur bourreau totalement inexcusable. C'est là une configuration d'une rare perversité intellectuelle et qui fait donc, Yves Ternon l'a rappelé, fait porter aux victimes une part au moins de responsabilité dans leur propre élimination. À quoi s'ajoute, et nous nous y heurtons constamment en France, on n'en a pas encore parlé ici, donc je voudrais peut-être dire un mot encore à ce sujet, la condamnation de la sortie de génocide, la condamnation de l'après-coup génocidaire, issue de la victoire du FPR, en particulier la guerre portée aux Zaïre en 1996 et le régime hein, de Paul Kagame. Constamment, hein, et c'est constamment un argument qui nous est opposé, hein, dès lors que l'on évoque le génocide de 1994. Oui, mais le régime actuel. Alors, qui peuvent, il y a ce régime actuel, qui peuvent, les 800 000 ou le million hein, de victimes, il n'empêche que ce qui est advenu après le massacre, massacre qui constitue un argument de légitimité très fort pour le nouveau pouvoir, ce qui est intervenu après le massacre tend à réduire et parfois à annuler l'empathie à laquelle les victimes ont droit. Et ceci, puisqu'on parlait du procès Simikangwa du début de l'année 2014, cet argument, quand j'ai personnellement témoigné à ce procès, m'a été immédiatement opposé par les avocats. Oui, mais vous défendez le régime actuel. Et donc votre position, n'est-ce pas, votre position hein, elle-même, dès lors, hein, est fragile. Hein, et vos victimes ne sont pas si intéressantes que cela, puisque vous défendez le régime actuel. En conclusion, je crois que l'histoire étant moins une opération de connaissance du passé qu'une réflexion sur le temps, là aussi je rejoindrai ce qui a été dit précédemment. Je termine dans un sens d'ailleurs un peu pessimiste. Deux décennies se sont écoulées depuis le génocide de 1994. Vous vous en souvenez, il a fallu un demi-siècle pour que Jacques Chirac reconnaisse en juillet 1995 la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination des Juifs de France. Il a fallu un autre demi-siècle pour qu'au moins implicitement, dans un musée militaire français, soit reconnue l'institutionnalisation de la torture en Algérie. C'était lors de l'exposition qui s'est tenue aux Invalides en 2012, où la torture a été à la fois reconnue et était un objet d'exposition. Elle n'a pas été peut-être reconnue suffisamment, mais elle l'a été, et de manière donc tout à fait nouvelle, donc par rapport à ce que l'on pouvait dire officiellement, une dizaine d'années auparavant. Je ne dis pas qu'il y a eu de reconnaissance officielle, comme il y en a une hein, en juillet 1995, pour l'extermination des Juifs de France. Je crois qu'un de nos ennemis pour faire émerger la vérité, un de nos ennemis parmi tant d'autres, eh bien, c'est aussi le temps. C'est le temps, à l'échelle des sciences sociales, et là, le temps judiciaire, le temps des historiens s'opposent. Hein, 20 années, c'est beaucoup trop, effectivement, pour faire justice, comme il vient d'être rappelé à l'instant. Mais du point de vue des sciences sociales, nous sommes encore à courte distance hein, de l'événement qui nous réunit aujourd'hui, et nous en payons, d'une certaine manière, le prix.
hein, et l'histoire du génocide des Tutsis rwandais en paye le prix. Et c'est un prix malheureusement très élevé. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane. Nous avons une dizaine de minutes, si vous voulez bien, pour converser. Allez-y, monsieur. Bonjour. Je voudrais faire une petite intervention, un petit peu argumentée. Je suis désolé de prendre un tout petit peu de temps. Néanmoins, essayez vraiment aller à l'essentiel. Je vais à l'essentiel. On a parlé ici de pessimisme. Je partage en effet le pessimisme des historiens, parce que je suis historien moi-même. Mais nous ne sommes pas qu'historiens ici. Nous sommes aussi citoyens. Et si nous ne pouvons pas obtenir la justice, et je voudrais témoigner de mon admiration pour le combat d'Alain Gauthier, qui est extraordinaire et, sur la longue durée, et il me semble qu'il a besoin aussi qu'on l'aide de plus en plus, mais s'il n'obtient pas satisfaction, si... Là aussi, il y a mépris de la part d'un certain nombre de dirigeants politiques qui nous disent qu'ils vont déclassifier alors qu'ils ne déclassifient pas. Qu'il ne s'agit plus d'un aveuglement maintenant. La classe politique n'est plus aveuglée. Elle persiste dans le crime. Or, qu'est-ce que nous pouvons faire? Certes, je suis en admiration devant les jeunes qui ont parlé ce matin, je suis extrêmement content de voir cette démarche, mais elle reste, je dirais, politicienne, en ce sens que ce sont des organisations. J'aimerais lancer ici, devant tout le monde, un appel à la constitution de comités citoyens qui réuniraient l'ensemble des citoyens de toutes tendances réunis, de façon à ce que, tout simplement, dans toutes les villes et dans tous les quartiers, peut-être dans tous les villages de France, puissent se constituer, grâce à l'Internet, des petits comités qui rediraient ce qu'on vient de dire aujourd'hui, qui pourraient relayer les initiatives d'Alain Gauthier et des autres. C'est le collectif des partis civils, hein, c'est pas Alain Gauthier. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Excuse-moi. Et qui pourraient également... un combat auprès de l'opinion publique. Nous ne pourrons pas gagner, pour reprendre le discours de ce matin, nous ne pourrons pas gagner sans l'opinion publique. Si nous restons entre nous, entre spécialistes, on se connaît tous depuis une quinzaine d'années, on participe tous au même colloque. Il faut aller au-delà. Il faut porter la parole, cette parole de vérité, il faut la porter dans l'opinion publique. Merci. Il faut se mettre les journalistes avec nous, dans tous les villages de France. Merci pour votre proposition, monsieur. Il est quand même difficile de penser que ce n'est dû que sur le motif de couvrir le passé, quoi. C'est-à-dire l'idée que la position de la France actuelle serait un déni pour couvrir le passé me semble insuffisant comme explication. Est-ce qu'on n'est pas... Et donc, insuffisant aussi l'explication de quelques personnes qui seraient responsables, en 90 et 94, de la dérive. Est-ce qu'on n'est pas, pour comprendre vraiment la situation actuelle, devant un des attributs de longue durée de la France, qui est l'attribut impérial, qui existe encore aujourd'hui, on voit bien, et qui... est un attribut de l'État français sur la longue durée. Quand la Russie, quand la Turquie interviennent militairement, le premier réflexe, c'est de se poser la question sur quelle longue durée l'Empire turc, l'Empire russe met ses pions. Or, aujourd'hui, on fait comme si c'était seulement pour dédouaner, en quelque sorte, ou ne pas tacher la France d'un... Non, je crois qu'il faut aborder, certainement, plus politiquement, ce qui fait que l'État français aujourd'hui est toujours dans une position impériale et n'a pas rompu avec cette position. Dans ses interventions militaires dans le monde, dans sa capacité de s'extraire des règles de l'ONU à tout moment, tout en étant au Conseil de sécurité, c'est-à-dire il y a une certaine continuité. Et c'est cette continuité-là qui certainement est défendue bec et ongles
par l'État français, la classe politique française, de gauche et de droite, et aussi l'armée française. Parce que l'armée française compte aussi dans sa continuité d'intervention. Et c'est un peu, moi, je trouve, les limites de reporter seulement sur ceux qui ont fauté durant 90-94. Est-ce qu'il ne faut pas aborder l'État français aujourd'hui pour comprendre? D'accord. Merci. Encore deux. On va prendre encore monsieur. Et puis ensuite, à la suite, en essayant d'être vraiment bref, si vous voulez, quelques mots de conclusion des intervenants. Alors, Mathieu du collectif d'innovation politique. J'ai entendu lors de ce colloque aujourd'hui donc, les accusations sur Védrine et Juppé. Donc, je suis assez réjoui de ces accusations et que je n'entendais pas forcément lors d'autres moments où on se réunissait à chaque fois. Par contre, je n'ai pas entendu encore... jusqu'à tout de suite, d'accusations sur trois principaux responsables qui sont, à mon avis, François Mitterrand, qui a été nommé en tant que responsable par la commission Mucho déjà il y a quelques temps, il y a plusieurs années. Je n'ai pas entendu non plus sur l'école de guerre de Paris quelqu'un manifester une critique aujourd'hui, alors que Périès et Servenay en ont déjà parlé. Les stratégies de stigmatisation d'ennemis intérieurs, extérieurs, qui peuvent provoquer encore de nouveaux génocides. Car on apprend militaire à penser de cette façon-là. Il suffit qu'il y ait un pouvoir effectivement, d'extrême droite qui vienne et sous 30-40 ans, ça se reproduit. Également, je n'ai pas entendu parler des militaires blancs du 13 mai. Moi, j'ai rencontré 6 témoins à Bicécéro en décembre 2014. Ils m'ont confirmé 5 sur 6 ce que disaient d'autres témoins, les Bicécéro qui ont parlé à Serge Farnet. Et à Bruno Boudiguier, 80 témoins recoupés. Je sais que beaucoup de gens considèrent les méthodes de Serge Farnel comme négatives. Donc c'est écarté de certains universitaires pour juger de la crédibilité de ces témoignages. Mais moi, je suis allé rencontrer et ces 6 témoins, 5 en tout cas, ont confirmé. Donc j'aimerais qu'on se penche là-dessus. Et dernier aspect sur Kouchner, je suis assez sceptique sur son corridor humanitaire. Il était protégé, ce corridor, par Bagosora. Imagine-t-on Hitler protéger un corridor humanitaire pour sauver quelques juifs? Voilà, merci. Il nous reste encore une minute. Je voulais simplement savoir si quelqu'un à la tribune souhaitait réagir. Guillaume, peut-être. Il y a une réflexion qui me revient en écoutant les questions, qui m'a beaucoup frappé. C'est une réflexion de Mariam Alagardi sur le sujet du Rwanda. Je disais comme c'était difficile de parler du Rwanda le soir quand on dîne en ville. C'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, vos copains vous regardent soit gentiment, soit de manière un peu agressive pour faire remarquer qu'il est grand temps qu'on passe à un autre sujet. Je pense que vous avez tous connu à un moment ou à un autre ce sentiment de « maintenant il faut que je m'arrête, sinon je ne serai plus jamais réinvité ». Et Maria m'a dit « mais c'est normal parce que ce que tu interroges, ça n'est pas le Rwanda, c'est la relation d'une société qui se veut hyper démocratique avec un génocide ». Merci beaucoup. Un mot alors de la part de Jean Damascène. Je crois que les responsabilités de la France et de le génocide sont tellement graves et étayées, il ne faut pas vouloir en chercher d'autres. Donc vouloir se camper sur la question du 13 mai, et tout en oubliant les responsabilités d'avant 1990, de 1990 et après, c'est vraiment perdre du temps. Parce que nous, en tout cas, on n'a pas de preuve que la France était au Rwanda militairement le 13 mai 1994. Il faut se limiter aux faits convaincants avec des preuves indiscutables. Je crois que ça suffit.